La formation qu'il y a, c'était vraiment bien. J'ai découvert un peu de tout, un peu de mathématiques, un peu de français et un peu de sécurité aussi. Le parcours CLEA, pour moi, j'ai trouvé qu'il était bien parce que la formatrice prenait le temps de nous réexpliquer quand on ne comprenait pas. Par exemple, en faisant les divisions, les soustractions. Donc des fois, j'étais un peu perdu. Donc elle venait me voir et elle m'a réexpliqué jusqu'à ce que je comprenne. Ce que j'ai apprécié, c'est que donc là, en l'occurrence, c'était une professeure. Elle permet, elle nous a, de se focaliser quand il y a certains besoins particuliers sur tel ou tel élève. Et un plus aussi, c'est que les points forts de certains participants, des élèves, permettaient d'aider les autres qui en avaient besoin. Donc ça peut être au niveau mathématique, français ou informatique. Et après la fin de la formation, ils nous ont donné une tablette. Et avec cette tablette, j'ai pu utiliser, envoyer des emails, envoyer des messages, aller sur Internet. C'est grâce tout ça, c'est grâce à la formation CLEA. Ça permet dans le futur de travailler un peu plus ces points faibles pour m'améliorer au niveau personnel et aussi au niveau professionnel. Eh bien, ça m'a remis dans le bain. CLEA est une certification qui valide 7 domaines de compétences. Ce sont les compétences socles indispensables pour occuper un emploi dans les organisations du travail d'aujourd'hui et pour continuer à progresser professionnellement. CLEA est destinée à des salariés peu qualifiés ou ayant perdu certains acquis, mais qui maîtrisent un premier niveau de lecture et de calcul. Depuis 2012, ITMLAI s'est lancé dans un vaste plan de transformation. Ce plan de transformation vise à moderniser l'outil de production pour accompagner le commerce dans son développement. Comme il va y avoir un impact sur les métiers, il va falloir accompagner les salariés et les faire monter en compétences. ITMLAI a décidé d'investir dans une politique RH forte pour développer l'employabilité des collaborateurs et surtout d'accompagner les plus fragiles et les moins qualifiés. La certification CLEA est la première brique qui va permettre aux salariés les moins qualifiés d'accéder à d'autres certifications comme par exemple les agents logistiques et donc d'adapter leurs compétences aux nouveaux métiers mis en place dans le cadre de cette transformation. Nous souhaitions mettre en place une solution clé en main qui comprenait les évaluations initiales et finales, mais également le parcours de formation. Et Segos a été le premier à nous proposer cette solution clé en main. Segos nous a apporté aussi des solutions innovantes avec mixant du digital et du présentiel, avec des groupes hétérogènes qui ont pu s'entraider et donc évoluer et monter en compétences ensemble, et puis également des formateurs qui accompagnaient individuellement les salariés en s'aidant d'une plateforme innovante. Pour moi, il y a 3 facteurs clés de réussite. Le premier étant la pédagogie innovante, mixant du digital et du présentiel, et une tablette qui a permis aux stagiaires de travailler en dehors du parcours. Le deuxième facteur étant lié au fait que les formateurs ont pu et ont su s'adapter à chaque niveau dans un groupe hétérogène et permettre aux stagiaires de monter en compétences. Dernier facteur clé qui est pour moi le plus important, qui est la sécurisation des parcours permettant aux salariés de développer leur employabilité et d'accéder éventuellement à d'autres certifications. La solution Segos de formation à CLEA repose sur un parti pris de pédagogie différenciée. Le processus CLEA se déroule en 4 étapes. Information, positionnement initial, formation, jury de certification. Le formateur Segos est dans une posture de facilitateur d'apprentissage face à un groupe d'apprenants aux besoins hétérogènes qui vont se former à leur rythme, seuls ou en sous-groupe. Nos formateurs sont bien sûr experts des contenus, mais aussi de la façon de les faire acquérir. Nous les formons en plus à notre méthode spécifique qui s'appuie sur la génération d'une dynamique de groupe positive et sur le repérage des stratégies d'apprentissage individuelles. En amont de la formation, à l'aide des informations fournies par le positionnement initial, le formateur établit la cartographie des compétences maîtrisées par les membres du groupe. Il ou elle s'appuie sur ses ressources pour faire reconnaître les apports de chacun, susciter l'entraide, les échanges de savoir.
Chaque personne est invitée à faire le point sur ses propres réussites en tant qu'apprenant, quel qu'en soit le domaine, et à réaliser le diagnostic de ses préférences d'apprentissage. Chacun prend ainsi conscience de son profil d'apprenant, des situations qui lui conviennent le mieux pour bien recevoir et traiter l'information. Le travail individuel ou en sous-groupe s'organise ainsi selon les besoins de chacun. Chaque jour est mis à profit pour travailler non seulement sur les contenus et les exercices, mais aussi pour prendre conscience de ses acquis, de ses manières d'apprendre. Chacun peut ainsi retrouver confiance en soi, plaisir et envie d'apprendre.